Là, c'est terrible. Alors, cet immense immeuble... Ah bah, c'est... Oh bah... Terrible, sale blanc, il va encore me dire que c'est que du FF moderne. C'est juste qu'on est toujours à la même zone. Détruire les orifices maléfiques. Hop, non... Time for a change. Ah, oh, toi t'as encore un supportable comme ça. Toi t'es relou aussi, vous êtes tous relous. Type 1 clé fière, bon. Et bonsoir à toi, comme ça. Tu restes comme un gros casse-couille. C'est par où? This is the one. We got company. More trash to dispose of. Allez, one shot là. On n'a pas le temps. I'll take that. It's almost too easy. Still a ways to go. Come on. Donc ouais, il y a une histoire de positionnement dans le jeu. Hein. Dans le dos, t'es vraiment en mode full critique. Donc c'est là où en coop, c'est cool d'avoir un tank, un autre joke. Parce que vous pouvez en fait jouer donc jusqu'à 3 à Stranger of Paradise. Et vous avez vraiment des rôles, enfin vous pouvez avoir des rôles prédéterminés pour être 3 DPS. Hein, mais il y en a un qui fait un peu tanky, l'autre un peu plus support et tout quoi. Genre on peut voir un mage blanc qui met des barrières, qui DPS, hein, mais qui met des barrières, qui met des boosters et tout, c'est grave stylé quoi. Ouais, et j'ai une vraie trinité quoi, il va casser le bureau de son PC. Ouais, c'est une bonne trinité. Après là, pour l'instant, Camus, en fait, j'ai joué à deux avant-hier, oui, quelques jours. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop facile dans la campagne principale à deux. À trois, je pensais être encore pire. Vraiment, on roulait le jeu. Ça vaut quoi par rapport à Nioh, ce jeu? Ça vaut que quand on arrive quelque part, au CB, on dit bonjour. Sinon, on se fait envoyer chier vénère. Ce que tu veux tester. Bonjour CB. All right. Mais donc ouais, avec Kama, je sais pas ce que t'as ressenti, mais là quand je l'ai fait moi avec Buffalo, on était à deux. Oui, j'y ai pas contraire, mais bon, oui, enfin, s'il y a 30 heures de jeu où on roule sur tout, moi honnêtement je m'emmerde, hein, tu vois. Donc c'est pour ça que là en solo, c'est pas très dur, mais j'ai un petit peu de challenge. Sans que ça soit, tu vois, je suis pas en mode à pleurer du sang, je suis en difficulté max, hein, je suis en furie, mais il y a quand même un petit truc. Je dois quand même sur les boss, un minimum focus, bien enchaîner mes sorts, quoi. Tandis que tu vois, là, à 2, on allait tout droit, c'est-à-dire que j'étais en train de papoter avec le chat, en mode bas les couilles. Donc c'est pour ça que là, je finis d'abord le jeu en solo, et ensuite, en fait, on va jouer avec Buffalo à partir du moment où, justement, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle l'explosion des chaos, et même après. Et on testera des choses même avec les viewers avec grand plaisir, hein, à plus haut niveau quoi. Mais oui, ça, t'as vraiment une notion de RPG coop trinité assez impressionnante. Tank, heal, DPS, buffer et tout, c'est rare, c'est très très rare et bien réussi. Time for a change. Inkbound, oui, c'est très bon, ça sort demain. Je l'avais streamé, il est disponible sur Sky Play, comme 7. Très sympa pour le coup, je valide en coop d'ailleurs faisable. Ouais, tu l'as dit, c'est coop, tant pour moi. Roguelite par contre, pas roguelike. Et ouais, il est cool, Inkbound. Il est très cool. Il vaut votre. Il mérite votre intérêt. Pas si simple d'ailleurs. Pas si simple hein, pour le coup, mais pas sympathique. Let's head back. Phew, just what we needed. Ah ok d'accord, c'est un raccourci pour revenir ici. Ok. Alors, faut que je trouve comment descendre. Ça doit pas être par là, doit peut-être par là, ou alors je tourne en rond. Comme c'est un. Ah non. Nouveau mob, right. C'est que je suis au bon endroit.
Oh le ver. Il s'appelle vraiment le ver métamère. Je sais pas trop comment. Je sais pas trop comment penser. Le ver métamère quoi. Clé du firmament. Ah, bonne chose ça. Pas utile. Et il a pour l'instant. Ok, il a monté la première carte mère, je crois, mais pas encore. Oh là, ma traduction. Il a monté la première carte mère de ce que je vois, sûr, mais pas encore la deuxième, si j'ai pas de bêtises. Ah, si, il y a la deuxième aussi, j'ai un. Non, il y a les deux cartes mères. J'ai une connerie. Donc il y a bien les deux cartes mères déjà installées avec les trocos, RAM, etc. Quoi. Ok, ok. Ça va être là, je suppose. Et on descend, si on monte, je suis tristesse. Ah oui, non. On descend. Time for a change. Oh, bonjour. Vous êtes gros. Nombreux. Les sirènes, j'aime vraiment pas ces mobs. Like moths to an open flame. Now watch your step. I can't take much more. Your defenses falter. On dirait vraiment des Hulk les gigas, on est d'accord. Hein. Ils sont super inspirés de Hulk. Ils sont tout verts, tout musclés. Oh merde. Je vais péter la gueule. Ok. Oh, are those cubes? I could use a break. Alors, hop, on continue de monter le tyran tranquillement mais sûrement. Moi aussi je suis musculeux, oui Gamzet. Tu es Hulk aussi. Tu es un Hulk. Alright. This is the one. Merde. Non, pète. Ah putain. This one's got some teeth. We got this. Quand il parle jet, parfois ça fait penser à Spider-Man de Tom Holland. Enfin la voix de Tom Holland dans Spider-Man en mode We got this. Un peu en mode paniqué, ouais. Time for a change. They've got friends. I'm always up for a challenge. Une crevette, tout est bon sauf la tête, c'est ça? Light up the sky. C'est tellement cool de pouvoir aller. C'est bon, c'est fini là-haut. Je peux pas le focus, hein, le bordel. Attendez. Ah putain. Va falloir obligé de buter, hein. Non, on ne meurt pas. Allez, vas-y, balance ton vent, j'en ai rien à foutre.
Voilà. Ouais, gueule. Putain, 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 non. Pas la mort maintenant. Relou les licornes là. Oh. You mustn't drink them like water. Hey, be safe, guys. Got other attacks. Try them. Feel the pain. All right. Running low? Fight with caution. Ok. Et c'était que le premier sur deux, ça? Eh ben, c'était chaud. Il est 15h15, ok. Wow, je crois que j'ai trouvé le deuxième. C'est vraiment dégueulasse, hein. Bon. Ah, oh, sale bête. Allez, balance ce que t'as à balancer, gros, ton meuble là. Je les attends, tes meubles là. Même pas peur. Ah, ok, bon, c'est un peu gros. Raté. Gros con. Drink them all at once. No room for mistakes. Je fais le malin, mais à tout moment je te demande un rabat. Oh, mais tout le monde full life. Allez, chais. Here it comes. Merde. Ah, c'est vraiment des Hulk, hein, je maintiens. Time for a change. There you go. This is the one. Non. Oh. Ah, j'espère que j'ai pas tout à refaire. Putain, si je dois retuer les deux, un sur deux, ça va. Sauvé. Putain, le gigate, c'est mort, quoi. Ah, tiens, j'aimerais pas jouer. Treasure, hein? This looks good. Can I use it? All right. Ok, allez, on y retourne. Usher it to the other side. Like moths to an open flame. Now watch your step. Fly over. Nice try. Don't move aside. Might have met our match. Just keep hitting them. Reinforcements. No rest for the weary. Keep your wits about you and we'll be fine. On va d'abord faire les ZAD, pas faire la même erreur que tout à l'heure. Voilà. Comme ça, lui, je peux le mettre full magie. Hein. Allez. Voilà. De quel mob? Parce que y a beaucoup de shops. Hein. En fait, y a un shop différent par. Enfin, une exec différente par mob. Donc. Wow! C'est nouveau ça, tiens. Oh, la Riban! Oh, j'en ai pas vu depuis longtemps.
This will hurt! Gotta finish this before the Reaper pays us a visit. Non, 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 what's wrong? Keep it together. Keep it together. You're on ice. This is the one. Casse les couilles, voilà. Here it comes. Watch out. Voilà. Là par exemple, voilà, il a planté un truc dans l'œil avant de l'achever. Jack, t'as pas le temps. Ah, écoute. Ok. Dernière vague. C'est quoi qui nous pop? Ah putain, un tomberry. Un tomberry maître. No joke, c'est un des trucs les plus dangereux qu'il y ait. Non ! Non ! Putain ! Tomberry, c'est mort ! Pourquoi j'étais au cac ? Ah ! Ah, faut tout refaire. Enfin, faut refaire toutes les vagues, quoi, là. Ah, les tomberry maîtres, ils one-shot. Après, par contre, j'ai un truc pour en fait empêcher le one-shot et qui leur fait des dégâts monstrueux, mais... J'ai mal géré, là. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il est bien là. Il a fait une butée en début de jeu, d'ailleurs, je crois pas. Et les tomberry, les pampas, c'est ce qui fait légèrement les meilleurs loots, c'est un peu différent des gobelins, tu vois. Oh, c'est... en même temps, le jeu est vraiment trop bien. C'est un kiff à parcourir. J'ai vraiment hâte de, entre guillemets, finir la campagne, même si je passe un bon moment sur la campagne, pour en fait pouvoir jouer à plusieurs, mais en mode, faut vraiment qu'on s'organise sur la limite comme un groupe de MMO, quoi. Que t'as une trinité, dis-toi, dans le jeu, quand tu joues en club à 3, une vraie trinité en tant que DPS et on va essayer de casser les camps principaux. Ok, les Harryman, c'est parti. Là en vrai on a été rapide. Hein. Je sais pas trop ce qu'ils aiment pas. Ok. Feel the pain. What's wrong? Keep it together. Keep it together. Mes foules. Got other attacks. Try them. Pareil, hein, tout à fait super stylé, c'est que tu peux piquer les techniques des mobs. Ok, le tomberry. Alors le tomberry, j'ai un truc pour lui. C'est comme ça que je les tue, il faut juste que pas que je me foire. C'est pas ça. Rancune, c'est pas mal. Ah là, 12 000. Ah, j'adore le chevalier du néant. Ça, c'est un truc typique de ma classe, cette lame-là. Et plus je prends de dégâts, plus l'épée qui suit fait mal. Et ça, c'est vraiment le chevalier du néant, donc d'ailleurs une classe qui est nouvelle pour Sanjar of Paradise. Quel plaisir. Ah, tiens, finalement, Outer Wilds, tu l'as fini, bien sûr, sur la chaîne secondaire. Ça a été compliqué. Et on attaque le DLC mardi. Il y a eu des... ça a un peu gueulé. Ça a été... Alors, pas tant sur le jeu en lui-même, mais sur la fin. Il n'y a pas eu de chance, quand même. Alors, on va dire un mélange de circonstances compliquées. Mais oui, on a fini Outer Wilds. Et j'ai vraiment tout exploré.
pour le coup, je l'ai séché le jeu. C'est très sympa. C'est révolutionnaire en termes de game design et level design.